Salut à tous, c'est Nano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dishonored. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de session de record dessus, donc je sais plus trop comment jouer. Mais on va s'en sortir, hein. Voilà, on va s'en sortir. Alors rappelez-vous, dernier épisode, on a ramené Emily ici, donc elle est en sécurité maintenant. Je sais plus où elle se case, mais elle est dans le bâtiment là, je crois. Enfin bref, et là je pense qu'on doit aller chercher le médecin royal justement. Qui travaillait sur un remède ou quoi. Et on va le ramener ici, dans notre petit bastion. Je pense que c'est ça. Vous avez peu de temps, mais pensez à améliorer votre équipement. Eh tiens, d'ailleurs, en parlant d'équipement, on va... Allez voir Pierrot. Putain, mais laisse-moi... Comment on fait? Alors, comme ça. Pouvoir. Combien j'ai de runes? J'en ai deux. Je sais plus c'est quoi ce que je visais. Après. Possession, c'est vraiment cool. Ça peut nous sortir de pas mal de situations. Je pense qu'on va viser là-dessus. On dormira plus tard. Ouais, on dormira plus tard. Allez, je suis prêt. Montez à bord quand vous serez prêt. Donc le médecin royal, je me souviens un peu de la mission. Je me souviens surtout du moment où on le rencontre. Ouais, je me souviens un peu. Ça devrait le faire. Donc là, je vais faire une petite session de record de Dishonored. En attendant, Battlefront, évidemment, puisqu'il sort le soir même. Coldwind Bridge. Il paraît que vous passiez tout votre temps à Dunwall Tower avec l'impératrice. Alors c'est peut-être la première fois que vous venez au pont. Si je peux me permettre un conseil, vous voyez ces lumières sur l'eau? Ah ça, on serait repéré à coup sûr. Faudra trouver le moyen de les éteindre avant que je vous récupère. Duck. Au fait, à propos de ce fameux Sokolov, c'est un malin. Peut-être encore plus que Pierrot. Il a toute la ville à sa botte avec ses histoires de philosophie naturelle. Nouvelles technologies, potions, et j'en passe. À votre place, moi je me méfierais. C'est vous qui voyez, hein. Ouais, merci. Alors, je rappelle aussi un peu. Oui. Je vous attendrai aux arches sous les logements de Sokolov dès que vous serez prêt. Ça roule. Si vous éteignez d'abord ces projecteurs. Bien sûr, donc il faudra éteindre d'abord les projecteurs sur l'eau là. Parce qu'on partira le soir et si on se fait repérer, c'est la merde. Puisqu'après, ils envoient la famille nous choper. Donc là, je rappelle évidemment qu'on fait. Alors déjà. Déjà, on va check un peu. Ok, ça va. On fait un peu le jeu en mode méchant mais furtif. On a le droit de se trimballer dehors pendant le couvre-feu. Sauf les gardes. Ouais, je suis au courant. Ok, eux et ok. Quoi, s'il y a quelqu'un? On dit quelque chose? On rappelle qu'il y a un couvre-feu? On va passer par là. Hop, allez, monte. Voilà, on va déjà directement prendre les hauteurs. C'est le mieux à faire. Hein. J'essaie de me rappeler un peu voilà, comment on joue. Journée. Dérouiller ses mains. Alors, on va conseiller. Attendez, il est où le. Oh putain, il est tout là, mais. Attendez. Comment j'ai ouvert le. Non. Comme ça. Alors. Si ça, je le mets sur 3. Du coup. Balle, on s'en fout. Carreau et carreau anesthésiant, c'est bien. Les mines, ok. Ok, bah c'est très bien. Merde. Ok, donc du coup, ça, voilà, ça va m'aider. Citoyens et visiteurs de notre ville, sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Merde, il y avait un autre gars. Votre attention, citoyens, la circulation est chier. Je l'avais pas vu pourtant. Pendant les heures de ah, oups. Ça, c'est la merde, ça. La sera levée demain matin à l'eau. Bon, c'est pas grave, il lève vite... L'alerte normalement, mais les gardes du coup restent. J'avais pas vu, putain, je suis trop deg. Je vous trouverai une espèce de mixine. Donc là, ils vont voir le corps. Je vais vous faire sortir. Ouais, ouais. Mais ça, c'est bien parce que ça consomme rien en plus. Hein. Alors, ah oui, mais il y a des mecs qu'on les voit pas en fait. Genre le mec là-bas. Genre y'a un mec là-bas qui ont... Par contre ça c'est chiant. Ok, c'est pas grave. Merde. J'ai limite envie de me suicider hein. Pour recommencer, ouais on va faire ça. Parce que c'est la merde hein. Allez, tuez-moi, s'il vous plaît, tuez-moi, voilà. Merci.
La ville compte une nouvelle veuve, salopard. Non, ça je crois pas. Bon, on va essayer de mieux jouer cette fois-ci, on va éviter de se faire troller. Je vous attendrai aux arches sous par cet enfoiré de pouvoir là. Enfin, si vous éteignez d'abord cette petite. Alors c'est personne n'a besoin de se trimballer dehors pendant le couvre-feu. Ah mais putain, du coup, il faut refaire nos. Ça là, voilà, comme ça. Ouais, je suis au courant. Mais on fait quoi s'il y a quelqu'un? Et du coup, on voit pas le mec qui est là. Il y a un mec là. Il y a bien un mec ici, hein. Je pense qu'on va directement aller là. Ok, je sais pas si je vais faire du bruit en tombant. Elle est où l'entrée? Elle est là. Ouais, elle est là. Ok, ça va. Citoyens et visiteurs de notre meurs. Ville. Voilà, donc les cadavres qui disparaissent. Du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public. Merde, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. Et où le dernier? Sera levée demain matin à l'eau. Il est où le dernier? Bon, apparemment il est plus là. Ah, il est tout au fond là-bas, vous l'avez vu. Très bien. Un peu plus de concentration. Alors il y a une rune ici. C'est deux. Ok, les deux sont là. Ça roule. Donc là du coup il n'y a rien d'intéressant. On va passer par là, hein. Le couloir de service. Voilà, donc les rats, quand ils sont en meute, ils vous attaquent, mais s'ils sont à 3-4, ils vont pas vous attaquer. C'est des petites flippettes. Ok, il faut les clés. Putain, merde. Really? Qui a les clés? Ou alors on passe par là. Il y a les clés ici? Il y a les clés ici. Ah oui! Alors des plans ici, très bien. On va pouvoir activer ça si on récupère le... Ah merde, j'avais même pas vu qu'il y avait ça, tiens. Un réservoir d'huile de baleine. Il y en a là-bas. Très bien. Voilà. Allez, ciao. Voilà, ça c'est en route. Voilà. Et là normalement ils vont pas me voir. Ils vont se dire bah c'est un convoi qui passe. Parce que sur les lignes électrifiées forcément on prend des dégâts, hein. Donc là normalement une rune ici. Ça roule. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas marquer les ennemis, comme dans... Donc là, il y en a que deux. Là, il y en a un autre, et là, un autre là. Très bien. Je pense qu'il faudrait que j'améliore cette vision des ténèbres, pour qu'elle ait plus de portée, je pense. Comment on va procéder? Citoyens et visiteurs de notre ville, sur l'injonction du régent... Parce que là, ils se parlent, ils se regardent, ouais... Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, citoyens. Bon, la rune. Circulation est interdite. Fermée de l'autre côté. Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. Fermée de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il faut faire le tour. Donc par ici. Voilà. Et comment on passe Ah, peut-être. Ah ouais, d'accord. Là il y a tout un autre délire là. Hop là. C'est vraiment pratique ce double saut, c'est un truc de fou. Alors tiens, bah je vais en profiter pour regarder si je peux améliorer ma vision des ténèbres. Où est-elle? Ah mais je l'ai déjà améliorée en fait. Genre elle est améliorée au max. Dommage. Donc là je peux... Putain, pli temporel, ça pourrait être marrant. Ralentit le temps. Tueur de l'ombre. Tous vos ennemis réduisent finissent ensemble. Améliore la régénération. Déclencher après une saline. Non mais vous savez quoi, je pense que je vais prendre possession. Il y a moyen de faire des trucs assez rigolos avec. Alors du coup On va la bind sur 4. Mais du coup non, sur 2. Et lui on va le bind sur 4. Voilà, et du coup les carreaux
toute façon, j'utiliserai que les carreaux anesthésiants, je pense. Ah, bah du coup, lui, je vais le mettre sur 6. De toute façon, les balles de flingue, soyons clairs tout de suite, je ne les utiliserai jamais. Hein. Non. Alors, bah lui, il a l'air tout seul. Hein. Je dis bien, il a... Oh, ok, d'accord. On va y aller. Salut. Donc là on va couper les trucs dont parlait l'autre con là. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait couper. Là c'est juste pour le pont. Et du coup je loupe une rune, c'est ça? Non mais attendez, en fait je suis perturbé, je vais remettre le cœur sur 2 et possession sur 4 du coup. Voilà, je sais ce que j'avais l'habitude d'utiliser pour 2. Alors, mais du coup ici il y a quoi? Ah, il y a des connards là. Voilà, comme ça ils me font pas chier. Ah mais il y a le charme d'os en fait ici, d'accord. Allez, un bon charme d'os s'il vous plaît. Coup de chance, 1. Très bien. Donc ici on était juste là pour ça en fait. Très bien. Alors, c'est quoi ce bruit là? Ah, les effets d'eau qui sont pas trop dégueulasses encore, ça va, pour un vieux jeu. Enfin, un vieux jeu, je me comprends. Pendant les heures de couvre-feu, l'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Bon, c'est par où qu'on passe. Continue à bouffer. Oh, il y a des mecs juste là. Ah oui, d'accord, en fait, nous, on doit juste passer par là. Bon bah écoutez, on va passer sans trop qu'ils nous voient. Salut les potes. Allez, bridge, très bien. Ah oui, donc là on va passer le pont normalement, je me souviens du pont. Oh putain. Ce couvre-feu, comment peut-on gagner sa vie dans ces conditions? Eh bien monsieur Pratchett, même les gens fortunés comme vous ont besoin de valeur. Les voyous mettent la ville à sac. Il a des clés sur lui, je les vois, vous les verrez pas, mais moi je les vois. Les pestiférés sont pires. Pensez-vous vraiment que le régent ait tort d'imposer un couvre-feu? Ah, il y a des chiens, vous l'avez vu? Épargnez-moi vos leçons de morale, officier. Ne vous en faites pas, je me débrouillerai. Un homme avisé s'en sort toujours, épidémie ou non. Eh oui, comme ce Sokolov. Il n'a pas à se plaindre avec tous ces objets exotiques qui circulent par chez lui à tout bout de champ. C'est ce qui vous tient à flot, pourvu que ça dure. Si par exotique vous entendez sordide, nous sommes d'accord. Le médecin royal s'en sortira aussi, à moins de contrarier la mauvaise personne. Ce qui est apparemment le cas. Allez, maintenant tu rentres chez toi, que je te bute. Une bourse. Donc là, normalement, c'est fermé à clé, c'est ça? Et genre, je me fais baiser. Ah non, c'est bon. Oh merde. Alors attendez, comment on grimpe sans utiliser notre pouvoir, comme ça? Voilà. Donc là il devrait monter, hein. Ça. En fait il y a un chien chez lui. Je devrais m'en débarrasser. Ah mais je me souviens là, en fait c'est... C'est là où il y a l'énigme. Ah ouais, l'énigme avec les chiffres sur... Il est juste là je crois. On va le massacrer. À quoi s'attendait-elle? Salut. Un pistolet, une épée, voilà. Il est deg, hein. Justement, il disait qu'il allait s'en sortir, et ben... Il a tout faux. Par contre, il... Ah, ok, elles sont là-haut. Bon, de toute façon, j'imagine qu'il a pas de garde chez lui. Le chien, il est dehors, de toute façon, je crois. Ouais. Ok, c'est quoi ça? Une médaille. Alors là, il y a un chiffre, il y a un 4 gigantesque. Il est où le coffre? Parce que j'imagine que l'étage du coffre, c'est soit il est tout en haut, soit il est tout en bas. Bon, souvenons-nous qu'il y a un 4 sur une rue bondée. Ici, il y a un phare, il n'y a pas de chiffre. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a que dalle. Donc un 4 sur rue bondée. Là, c'est un bateau, un 3.
C'est pour l'énigme hein, que je fais ça, si vous vous demandez. Ok, on va continuer à monter. C'est où qu'on monte? Bah, c'est par là, je suis con moi. Voilà, un 4 et un 3. Tivia. Ah, ok. Donc un 4 et un 3. L'énigme. L'énigme pense bête. La voie de la vérité commence dans les rues noires du monde. 4. Il y a un baleinier. 3. Et évidemment, bah, le dernier chiffre, on va le trouver ici. 4, 3. Et le dernier chiffre, il est là. Pas du tout. Où est-il? Au pire, on pif. Hein. Ah, il est peut-être là. 7. 4, 3, 7. 4, 3 et 7. Le numéro complémentaire. Ok, donc le baleinier, c'est le 7. Et du coup, le 3. C'est là. Ok. Voilà, des lingots d'or et sa rune. Comme ça, déjà, on y voit plus clair. Donc la deuxième rune est là-bas. Elle doit être dans un autre bâtiment. Élixir de santé, on s'en bat les couilles. Bon, il y a les chiens en bas, faut faire attention quand même. Ok, c'est bon. La rune est là-bas. Ah bah oui, elle est. On voit bien la pièce là où elle est. Ici, mais il y a rien d'intéressant en fait à part de la bouffe. La moitié de la ville est morte. Ah mais c'est un mec. Est-ce qu'il m'attaque? Ah ouais, bah il m'attaque. C'est un mercenaire. Ah, je sais pas, moi je voulais faire friendly friendly, tu vois. Apparemment, lui voulait pas. Hein. Eh bien, merci pour ta rune. Ah. Le cours des rivières change au fil du temps. Et tous les ponts finissent un jour par s'effondrer. Il y a 1000 ans de cela, existait une autre ville ici même. Les habitants façonnaient des runes avec des os de baleine pour y inscrire ma marque. Les enfants en trouvent encore enfouis dans la base. Mmh. Anton Sokolov a longuement étudié mes runes, mais il ne possède pas tes talents. Seuls ceux qui sont choisis et qui portent ma marque peuvent accéder à leurs secrets. Sokolov pense qu'il existe des rituels pouvant me contraindre à apparaître devant lui. Il fouille dans de vieux temples pandiciens et dans les sous-sols en ruine du quartier inondé. Il pratique des rituels abjects au-dessous de la vieille abbaye. Mais s'il veut vraiment me rencontrer, qu'il commence donc par susciter mon intérêt. Boum! On lui dira. On lui dira. Alors, messieurs, bonjour. Donc là, il n'y a plus de runes ici. On est d'accord. Donc on peut foncer. Voilà. Y'a un mec qui a dit, hein? Apparemment, il m'a entendu, mais c'est pas grave. Je crois qu'on peut monter sur le côté. Donc ça, là, le pylône, là, c'est très méchant, hein. Tu seras bien content de les avoir. Voilà, donc il m'a vu le petit portail, vous l'avez vu, enfin le pylône. Et il m'a démonté. Ah, y'a un chien. On va se casser, hein. Est-ce qu'on peut monter, genre, et faire un truc du juif absolu? Voilà, comme ça. Parfait. Alors, où ils sont? Je crois qu'il y en a un juste là. Oh, il est là. Il a une clé. Je suis tombé sur la bonne personne, on dirait. Comment on utilise les trucs de soins? Je sais même plus. Salut! Voilà. Adieu, hein. C'est l'alarme, ça? Ah non. Je sais pas ce que je fais, hein. J'ai l'impression de truander le jeu, là. Voilà.
Maison de Sokolov. Du coup là on peut faire une glissade de fou, c'est ça? Voilà. Ouais, dommage qu'on les ait pas serrés. Ok, y'a un mec là et y'a un mec là. C'est tout? C'est tout. Salut. Ah oui, il vénère lui. Mais il dodge tout. Mais merde. Ah, je suis dans la merde là. Salut. Oh, oh le bâtard. Waouh. Ah ouais. R, c'est R pour utiliser des trucs de soins, d'accord. Putain, c'était vénère hein, cet endroit là. Fumier. Le mec, je lui ai rebondi sur la tête et tout. Hein? Quoi, continue de faire du bruit? Y'a un mec ici? Ah ouais, y'a un mec là. Salut! Bah ouais, je suis discret. Y'a un problème? Merde. En fait, on peut over abuse du jeu en faisant ça. C'est rigolo. Ok. Voilà. Si on leur saute dessus et tout, les mecs ils comprennent pas et on peut leur faire des assassinats aériens. C'est n'importe quoi ce double saut. Est-ce qu'il y aurait un truc dans la poubelle comme dans tous les jeux? Bah non. Genre des aliments comestibles. C'est bien leur place dans la poubelle. Normal. Allez, on y va. Donc là on arrive dans la maison, enfin, près de la maison en tout cas de l'autre con. Et là du coup, charme d'eau c'est runes. Mais du coup j'ai loupé des runes en fait. 4 sur 5. Y'a un charme d'os là-bas. Ouais, peut-être l'OP quelque chose, hein, je sais pas. Alors, messieurs, bonjour. Là, y'a un mec. On va aller là. On est fou, hein. Je sais même pas à quoi ça sert de. Oh, what? Ah, c'est mes bruits de pas en fait. Ok. Alors attendez, parce que du coup là on peut tuer le mec. Merde. Ah ouais, genre c'est un headshot et le mec non. Ok, très bien, gros jeu hein. Gros jeu. Ah là il y a les trucs dégueulasses là. Est-ce qu'il y a un truc ici? Non. Ah, y'a même des poissons et tout. Bah alors. Merci. Toujours moi. Les autres. Dans la même chose. Toujours moi qui m'y colle dans les mains. Ouais, t'en as marre, ouais. Ah. Donc si je leur mets un headshot, sans qu'ils le sachent. Oh, lui. Ah mais ça c'est blindé, je ne peux pas. Par contre, je peux monter dessus. Et... voilà, il est sorti de sa planque. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça fait quoi là? Ah... ok, ça arrête de faire tourner la... et eux ils se doutent de rien, il y a le bruit et tout et ils s'en foutent. Alors, y a-t-il du monde? Hein? Eh bien, on va te tuer. Oh merde. Non, non. Tu ne me trouveras jamais, tu as été mal programmé. Voilà. Ouais, ouais, allez, salut. Ah, il disparaît pas parce qu'il était en alerte, ok. C'est bon à savoir également. Salut. Voilà, on désactive le portail de foudre de ouf là. Alors, on monte là. Salut. Rien d'intéressant ici. Si on tombe, on pleure.
Ici y'a quoi? Fermé de l'autre côté, on s'en bat là. Oh non, non, attendez. Y'a un truc là, ouais voilà. Oula, j'allais dire on s'en bat la race, mais non, c'est faux. Mais comment on rentre là en fait? Alors, parce que j'en ai aucune idée en fait. Reprogrammer. Donc là pour le reprogrammer. Ah, mais on peut passer là non? Non. Comment on monte? Parce que bon, c'est fermé de l'autre côté, ils disent, mais. Oh, c'est là en fait. Je suis vraiment un attardé, hein. On va vérifier hein, le charme d'os s'il est en bas. Merde! Aïe. Salut! Ouais. Attendez, hein, je fais le ménage. Voilà. Voilà, on les massacre. Salut. On les coupe en deux, hein, les rats. Donc si vous aimez les rats, bah je suis désolé. Hein. Mais ça doit être fait. Hein. Voilà, là ils devraient plus nous attaquer. Voilà, donc un bon jeu vidéo. On peut mettre des charmes d'os pour que les blancs nous redonnent de la vie ou je sais plus quoi. Aucun intérêt hein. Voilà, donc là il nous fuit. Salut. Alors un charme d'os. Merci de m'avoir aidé. Ombre rapide. Je pensais être à l'abri, mais les rats ont rappliqué. Il y en avait tellement, ils ont tout envahi. Ah, ils ont même tué ton pote. Superstitieuse. Mais ils sont arrivés juste après le passage d'un. Allez les rats, on mange. On aurait dit qu'elle était en os. Ouais, elle est juste à côté. Ils sont où les rats là? Je vais leur donner à manger. Non, ils sont plus là, ils sont partis. Bon bah on va le mettre juste là, hein. Voilà. Comme ça les rats ils vont venir. Non. Voilà, comme ils ont fait avec ce cadavre ici. Bah lui il sera pareil. Je suis une ordure. Du coup elle se barre, c'est ça, elle monte. Je sais pas où elle est. Non mais ombre rapide, ça a un nom stylé, c'est sûrement bien. Ah oh, bah voilà, mais ça c'est exactement ce qu'il me fallait. Les ennemis ratent. Ouais mais de toute façon je me ferai jamais détecter donc c'est bon. Et coup de chance, très faible chance que votre mana soit restaurée entièrement par une potion. Oh bah je prends aussi. Alors du coup croque-mort, vous déplacez un peu plus vite quand vous transportez des cadavres, ça c'est bien, vous grimpez un peu plus vite. Quoique c'est... on s'en fout en fait, puisque les cadavres ils disparaissent quand on les tue. Donc on va faire ça. Merde, attendez. Ah. Pli temporel, possession, permet de prendre le contrôle d'un être humain pendant plus... un moment plus court encore. Ok, donc là c'est juste un animal en fait que je peux... D'accord, et jouvenance. Ouais. Au niveau 2. La portion de votre barre de santé, ce qui est génial, c'est amélioré. Bon, on va prendre sort, hein. Vous savez quoi. Comme ça on aura moins de... On sera plus plus tranquille, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on monte maintenant. On se casse. Et ciao. Voilà. Maison de Sokolov. Voilà, donc Sokolov, c'est lui. Magnifique, hein.